Les forces armées congolaises ne sont pas restées en marge des travaux d'assainissement des artères de Brazzaville. C'est dans ce cadre que le personnel, les véhicules et matériels ont été mis à contribution pour l'entretien de l'environnement en appui aux efforts de la mairie centrale. Je félicite vraiment l'action de l'armée. On était entouré de la saleté. On est vraiment content. Si ça pouvait continuer dans toute la ville, en tout cas, ça allait nous faire plaisir puisque là, on est vraiment entouré de la saleté, il y a trop de poubelles. Alors, j'aimerais en profiter de cette aubaine pour féliciter l'armée. Sous d'autres cieux, l'armée est utile, non pas seulement pour les services sécuritaires, mais aussi pour la construction du pays. Le maire de Brazzaville a salué cette participation qui, une fois de plus, met en lumière le lien fort entre la force publique et les populations, invitant les usagers à ne pas jeter les déchets domestiques à même le sol pour faciliter la tâche aux agents d'entretien. La mairie de Brazzaville, qui a eu à concéder ce service, a fait appel à la force publique pour appuyer la mairie dans ce service dit d'appoint, pour essayer, parce que notre obligation est là, c'est à nous, la ville, de nous occuper des ordures ménagères. Et nous sommes interpellés quand il y a des ordures ménagères dans la ville. Nous ne pouvons pas le faire seuls, parce que dépourvus de moyens adéquats, parce qu'il faut beaucoup de moyens, beaucoup de logistique pour le faire. Nous nous retournons donc vers la force publique qui dispose de quelques moyens, le génie, pour nous épauler à faire cette opération-là. Les militaires se sont investis jusqu'aux heures tardives de la nuit pour rendre salubres les lieux publics de la capitale. Et ça nous va droit au cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un travail de fond qu'ils sont en train de faire. On était en difficulté ici depuis au moins 2 semaines. L'armée a pensé à nous. Le service de génie, ils ont pensé à nous. Vraiment, c'est du bon travail. Il faut louer ce travail. La participation des forces armées congolaises à l'entretien de l'espace public reste un symbole que la salubrité demeure au cœur des préoccupations de cette institution qui ne se limite pas seulement aux missions de défense et de sécurité.